Bonjour YouTube, bienvenue sur Twitch, on est toujours en train de tester des démos et puis là on va tester Star Trucker, un jeu qui est un Euro Truck Sim-like on va dire, ou un Euro Truck-like. C'est un espèce de... Vous êtes camionneur sauf que vous êtes dans l'espace et vous devez transporter des marchandises. Voilà, j'ai résumé le jeu, on va voir ce que ça donne, je ne l'ai pas testé encore, on va voir ce que ça vaut. Vraiment, j'ai des fuites. Mon collègue, il m'a dit que j'avais des fuites. Donc, on va mettre ma combinaison et on va aller examiner mon camion, mon gros camion de l'espace. Et on va boucher les fuites avec du chewing-gum, je pense, à la MacGyver, bien sûr. Oula. J'ai des fuites? Où ça? Ah oui, effectivement, j'ai une petite brèche dans mon capot. Aïe. Ouf. Oh l'atterrissage. Oh l'atterrissage, je l'ai pas. Oh putain de bordel. C'est bon, je... c'est bon, je gère, je gère, je gère, je gère, je gère. Comment on fait? Faut s'approcher doucement. J'ai failli partir en vrille dans l'espace. De plus, et on ne vous revoyait plus jamais. Limite 150. Ça va, je suis large. Ah ouais, il y a le petit viseur au milieu pour savoir où on va. Ok. Petit point. Sinon c'est bon. C'est vrai que c'est perturbant parce qu'on n'a pas vraiment de point de mire par rapport à savoir où on va. Speed limit 85. Ah, ils n'avaient pas pensé à ça. J'ai un passé en camion à travers la Stargate. Ils n'y avaient pas pensé à ça. Delivery waypoint, c'est en face. Ça marche comment les priorités dans l'espace? Mais c'est pas mal fait, hein, c'est joli, c'est... Non, c'est pas mal fait. Encore une fois, il n'y a pas de prix qui est annoncé pour le jeu. Ça dépend à combien il est... Il a priorité là ou j'ai priorité? Oula! Non, faut descendre. On va pas y aller. Comment on freine?
bas là. Allez, ça va le faire. Easy. Je suis un pilot. Ah. Du coup, je fais quoi là? Turn off your truck magnetic lock system to... Ok. J'ai tout compris. Non! C'est là. C'est où? C'est là. Non, c'est pas là. C'est où? C'est là. C'est ça? C'était ça. Easy. Easy. Je me suis fait 608$. Oh, on est dans le futur et des camions dans l'espace, mais c'est toujours des dollars, les gens. Quelque chose de rassurant, quelque part, que ce soit toujours des dollars. Great job. Payments should already be with you. But if you feel like spending some of that hard-earned cash, just head on over to Palmview Station. You'll find they've got supplies, a few jobs on the board, and the best home cook for your protein this side of Alpha Centauri. Non mais c'est sympa, c'est joli. Ça a l'air bien fait. Break for barrel, break for barrel. This is Red Eddie, cooking good out here. This is Barrow. Go ahead. What can I do for you, mate? I'm looking for info on the express gates. Last I heard it was a parking lot out there. Oh, nowhere in the galaxy, you hear that. Clear out here as far as the eye can see. Heard it from Dusty Bear, our own set of apple ears. Alright, alright, you caught me. Just reading the mail here at the pit stop. Those sheriff instincts die hard, don't they, old bear? Now who you calling old Ace? You've been out here just as long as I've been. Listen to you two turkeys arguing again. You're hogging the channel. Oh. Huh. Attends, fais le truc avec une CB. Ok. C'est là. Hello? J'ai pas écouté. Ah, mais y'a plein de cailloux! Y'a plein de cailloux dans l'espace! C'est quoi ce bordel? Mais c'est quoi cette merde? C'est quoi cette décharge? Mais what? Je suis occupé! Arrêtez de me faire chier! Faut que j'aille Ok, donc faut pas trop s'éloigner parce qu'il y a des saletés de nuages de poussière où on freine comme ça. Comment c'est qu'on est arrêté? Là. Ok, comment je peux me lever comme ça? Ce bruit de cuir. Cuir, cuir, moustache. Hein? Non? Ah oui, il faut fermer la porte. Oui, et c'est bien de le rappeler, parce qu'une fois, moi,
J'étais sur Mars et j'avais oublié de mettre mon casque avant d'ouvrir la porte. Ouais, je m'en rappelle. Il tout cassé mon vaisseau du coup, regardez. Donc faut rester sur les routes, sinon on se prend des débris laissés par ces saletés d'humains. Il est tout rayé mon camion du coup. Ah. Ah, c'est où les power cells? Excuse-moi. Est-ce qu'il paraît, j'ai des power cells? Des... Ah bah oui. Et comment on fait pour en trouver d'autres? Mais ça se trouve où ça? C'est ça. Oh ma couchette. Excellent. Des power machins. Pas du tout ça. Open. C'est pas ça. Oh, le fils serait pas content. C'est tout mal rangé. 96 power 150. Bah elle est bien celle-là. Non? Power 55, power 55. Bah, power 55, c'est pas vide! Bordel! C'est quoi ce merdier? On va les vider complètement? C'est pas plein, c'est pas plein. Mais ça va, power 55, quand même. Alors, je vais où? Donc faut rester sur la route, du coup je vais aller par là. Non. C'est ça l'accélérateur. En fait, c'est vachement bien fait parce qu'il faut en permanence contrebalancer pour essayer d'aller dans une direction précise. En permanence essayer de contrebalancer les mouvements qu'on lui fait, parce que là comme dans l'espace en fait il y a une inertie dans le mouvement qui est assez qui est très importante en fait, et ça c'est cool. Alors c'est moi qui ai priorité là. Je suis désolé mais je suis dans ma voie là, pas me faire chier avec ton camion moche en face. C'est là qu'on rentre? On se gare comment là? Ah! C'est un autre camion en fait, j'avais pas vu. Ok, salut! Faut faire une marche arrière. Est-ce qu'il y a une touche pour le klaxon? Mais je sais pas moi, une touche pour le klaxon, mais. Contrôle. J'ai pas la liste des contrôles en fait. J'ai pas ça, je crois. Si. Non, j'ai pas ça. Attends. Je vais m'arrêter. Heater. Oh, mais il y a tellement de... Ouh, cosy. Y'a tellement de boutons! Cozy! C'est quoi ça? Ah, c'est Drive Assist. Ouais, je vais peut-être pas le disable si. Turn on. Je cherche le bouton hein, du klaxon. Bougez pas, hein. Preview channel, next channel.
C'est pas ça, c'est quoi ça? Thruster shock. Ça a pas l'air d'être ça. Pas mettre parce que je vais me faire strike. H. Après, il n'y a pas de son dans l'espace, je vous rappelle, hein, mais je sais pas. Il n'y a pas l'air d'avoir un klaxon. J'ai appuyé sur H. Qu'est-ce que j'ai fait? Mon. Ah Ah, mais j'ai éteint toutes les lumières. C'est moi qui l'ai éteint ou il est tombé en panne le truc? C'était où? C'est ça là? Mais je sais pas! On voulait se garer. Comment on fait pour se garer? Faut sonner, faut... Comment on fait? Celui-là, c'est fermé. Bougez pas, je crois que j'ai une caméra de recul. Pas ça. Moi je sais pas. Comme ça. Pas du tout. Comme ça. Pas ça. Comme ça. Voilà. Nickel. Vu que j'ai plus générateur de gravité, il y a les cartons qui sont. Mais c'est pas ouvert cette côte de porte! Ah! Fallait cliquer sur le levier. On me dit rien, moi non plus. Alors. Ah, pour l'instant, il nous offre des contrats locaux et au fur et à mesure qu'on va prendre l'expérience, il va nous offrir des contrats qui vont plus loin. Donc un peu comme Euro Truck Simulator, hein, exactement comme ça. Et en fait, il y a des pénalités comme dans Euro Truck Simulator. Donc du coup, de la merde, biodégradable, voilà, $300, $1000, des vêtements, des déchets électroniques pour $300, $1000, de l'oxygène. Très important l'oxygène dans l'espace. Et du truc en polystyrène que je sais pas comment ça, ce que c'est, Worms, donc je ne sais pas. Ça a l'air pas mal, c'est pas fragile les. Ah, c'est moi, il y a un petit contrat et tout. Eh, on les lit pas les contrats, c'est bien connu. Alors, du coup. Yes. Confirme. Non. Non, je l'ai viré. Je l'ai viré, en fait. Attendez. Non, je l'avais viré, en fait. Terminate country. Ok. Si je fais back. C'est toujours mon truc de gravité qui est off, là. Non. Il est pas off, mais non. Ah, je vois plus le tableau de bord quand je suis là. Ça, c'est 37, 37. Et du coup, ma machin de... Putain. Elle est cassée, ma boîte, en plus. Ça, c'est rangé, là. Voilà. On
plus il fait nuit parce que j'ai fait une ambiance intime. Ça, c'est foutu. On met là. Voilà, super bien rangé. Ouais, j'avais fait une ambiance intime et du coup, bah, on voit plus rien. C'est quoi ça? Ok. C'est une boîte. Je sais pas ce que c'est. J'ai perdu ma truc d'énergie. Bref! Ouais, c'est plus cassé le truc. On fait ça? Pas du tout. Mais il est où mon cargo? Ah, il est là-bas. Je sais pas comment c'est cassé ça. Ça me fait trop marrer. Il est truc qui vole, j'ai plus de gravité dans le camion. C'est là. Alors comment on ramasse ça? Merde, Fred. Ça me fait trop marrer. Il est truc qui bouge. Mais pourquoi c'est cassé? Non, bah ça, ça, ça. J'appuie sur quoi? Peter, le macho. Non, pas chaud. Hot, cold. Appuie sur toutes les touches. Mais c'est ce que j'ai fait. Ça marche pas. Je sais pas s'il est pas cassé le truc en fait. Hein. Bon, faut que j'aille chercher mon colis là. Je suis derrière ou devant là? C'est le cucu ou le devant du colis ça? Je sais pas. Ouais, c'est un peu. Non, dans l'autre sens. Comme ça. Nickel. Hop. Poussez-vous, faut que je recule. Non, comme ça. C'est pas par là. Non, par là. Non, les caisses. Arrêtez. On réparera après s'il y a besoin. C'est moi me concentrer. C'est pas mal là, non? Yes. Alors. Mais il y a un truc de cassé ou quoi? Je comprends pas. On va sortir pour aller voir. Il y a un truc de cassé ou pas? Dans la maison là. Ah, c'est marqué là. Gravity con. Pousse-toi la boîte. Cassé ça. Choc. Ça sert à quoi ça? Choc shielding, ça sert à quoi? C'est cassé aussi. Comment on répare ça? Ah, open shutter. Ok, c'est vide. C'est peut-être dans les trucs là. Pousse-toi toi. Non, c'est pas là. Peut-être ça. Ah! Générateur panel. Non, ça marche. C'était pas ça. Euh...
Mais je ne sais pas. Pousse-toi, toi. À droite de la combinaison. Aïe. Je viens de me prendre une caisse dans la tronche. Oh! C'est quoi ça? C'est rouge. C'est pas bon quand c'est rouge, si. Ouais, c'est vide. C'est vide. C'est pour ça, c'est vide. Je vais la mettre sur l'étagère. Faut que j'en trouve une pleine maintenant. Ici. C'est plein ça? Non. Ça, c'est plein. Je vais la mettre dedans. Non, pas par là. Eh. Hop. Tic. Aïe. C'est réparé? C'est pas réparé. Pourquoi c'est pas réparé? Hein? Point zéro. Ah, elle est damage! Elle est foutue celle-là aussi. Qui c'est qui me donne des trucs foutus comme ça? Faudrait trouver une boutique pour en acheter des trucs comme ça. J'avais une caisse avec des trucs comme ça dedans, je crois. Mais je sais pas où elle est. Elle s'est envolée. Celle-là, elle est foutue aussi. Celle-ci aussi. Celle-ci. Hop, on va chercher la caisse. C'est peut-être ça. Pardon, je la pose par terre. Voilà, on l'ouvre. Oh! Ça marche ça? Pourquoi c'est toujours... C'est pas bon ça? Du coup? Pousse-toi la caisse. Hop. Alors. Climat régulateur. Pourquoi il est cassé maintenant? Aïe! J'ai réparé! Je suis trop fort! Ça, c'est toujours cassé. Pourquoi? C'est une bonne question. Faudrait peut-être en acheter. Non, c'est pas ça. Ça s'use vite, ces trucs-là, ou quoi? Du coup, si je fais ça... Non. Allez, voir en haut. Ah. Ça sert à quoi, ça? C'est pour la combinaison. Ça, il y a du jus. Ah, c'est cassé, ça. Ok. Ok. Ah. C'est tout rouge du coup. Du coup, faut en trouver un neuf. C'était pas l'autre caisse? Ah, pardon. C'était cette caisse là. Je pense qu'il faut avoir plein de batteries pour faire la mission. Ouais. Bah, c'est bon, je l'ai remplacé là, le truc là. Oh! C'est bon? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a quelqu'un qui fait bip bip là? Je sais pas. Ah! Shock shielding, par contre, je ne sais pas ce que c'est. C'est quoi ça?
Alors, c'est parti. On est parti des gens. Alors, c'est où qu'on va? Je ne sais pas. Non. Faut que je sorte du machin là, attendez. Je joue pas. Moteur. Balrog, meilleur rookie de l'espace. Non, non. Aïe. Comme ça. Voilà. Ouh. C'est bon ce coup-ci. C'est bon ce coup-ci. Allez, c'est parti. C'est pas loin normalement. Mais si j'ai pris un contrat. Tu vois? Pick up close machin bidule. Rush delivery. Je pense que j'ai pas été à la bonne station en fait. Hein, y a un bout de mon camion là. Faut que j'aille où du coup? Go to secteur Purity. C'est là-bas. Alors comment on va là-bas? Est-ce qu'il y a une route qui va là-bas? J'ai pas l'impression. Regarde, on a pas mal de débris là. C'est inconduisible en vue extérieure. C'est quoi qui fait bip comme ça? C'est mal parti là. Je vais où là? Je vais là-bas? Pourquoi ils m'envoient ici? Attendez, on va par là. Ça passe, ne vous inquiétez pas. Pourquoi ça fait bip là? C'est quoi ce voyant? Passe. Si quelqu'un peut prendre le manuel du camion et me dire pourquoi ça bip, s'il vous plaît. Mais je regardais le chat, monsieur l'agent. C'est pas si simple que ça, les gens. C'est vraiment assez complet. D'un point de vue maniement, d'un point de vue... C'est pas si simple que ça. Ça paraît simple. C'est pas si simple que ça. On n'arrivera jamais à destination, les gens. Ah. Ok. On n'a plus d'oxygène. Pas de panique. Je suis au boulot. Je gère les gens. Je gère. Ah, il faut fermer la porte, c'est vrai. Je gère. Ne vous inquiétez pas, Balrog gère. C'est vachement plus marrant que Road Truck Simulator parce qu'il y a vachement plus de trucs à gérer en fait.
sur autre simulateur, finalement, on va d'un point A à un point B, puis on roule, et puis voilà. Là, il y a tellement de trucs à gérer. Vu qu'il y a l'oxygène et tout à gérer, les quantités d'énergie à emporter, fonction du voyage qu'on fait. C'est beaucoup plus complet. A voir à combien il sera sorti, parce que pour l'instant il n'y a pas de. Il n'y a pas de prix. Oh ! Ah bah tu m'étonnes qu'il fuit ! Trop loin. Ah. Non. C'est pas ça qu'il faut faire. La manette là-haut. Merde, c'était la manette là-haut. Attends, bah attends, on va faire marche arrière. On peut pas faire marche arrière? Attendez, j'ai pas la caméra de recul. Hop, hop, hop. Ah, j'ai pas de caméra de recul? J'en avais une tout à l'heure. C'est ça, caméra de recul, non? Attendez. Tout va bien. Tu es entier. Je crois que le monsieur derrière m'a poussé. Mais j'avais oublié qu'il fallait tirer sur le levier. Du coup, j'ai voulu reculer, mais apparemment, il n'y a pas le droit de reculer. C'est ça que j'avais oublié. Ah, je dois aller où? Drop zone. Là, faut que j'aille, mais il y a quelqu'un dedans. Faites que ça passe en vert. Faites que ça passe en vert. Ça passe en vert, ça passe en vert, ça passe en vert, ça passe en vert. Yes! Ah, j'étais en retard. J'ai eu une amende. J'ai endommagé la cargaison. J'ai pas été professionnel. Du coup, je leur donne de l'argent. Inadmissible. Ah, il y a plein de points. Oh là là, excellent. Il y a plein de skills, pardon. Unlock job with tight deadline. Ouais, non. Unlock job with fragile load. Ils m'ont pas envie, vos trucs, là.
Déjà que les jobs normaux, je peux pas les livrer, mais alors si c'est des jobs fragiles, non, ça va pas le faire. On va prendre ça. Hein. Alors, station essence, on a dit. Mais si j'éteins la lumière, du coup, ça fait moins d'électricité, non? Alors, station service. C'était quoi la map? Non, c'était pas ça. M? Non. Comment on a... C'était ça. Alors. Voilà. Ouais. Vous êtes prêts à pousser les gens? Il y a une réserve après, non? On n'est pas sur la réserve là, si? Bah, la dernière fois j'ai coupé à travers champ, ça s'est mal passé, tatam. C'est là? Non, c'est plus loin. C'est là-bas. Alors, oui, oui, bien sûr, j'ai plein de sous. Je ne sais pas du tout combien j'ai de sous. Nickel, on peut aller super loin comme ça. Non, mais franchement, très, très sympathique le jeu. Très sympathique, je pensais pas m'amuser autant dessus. Et il y a l'air d'avoir pas mal de contenu. Je sais pas si... si on peut jouer en multi dessus. Non, c'est que du solo. C'est que du solo. Donc je présume qu'il y a des missions à faire, des choses comme ça. Mais pour l'instant, apparemment, il n'y a pas de multi prévu. Il est prévu pour 2024. Pas de plus de précision. Et on sait pas, on connaît pas le prix. Mais bon, pour un. Pour aller, je dirais, un. Un 40 euros, voire même 50, parce que c'est un jeu sur lequel on passe du temps. Pourquoi pas, hein. Si vous êtes intéressé par le genre, franchement, il est très chill, un peu stressant par moment, beaucoup plus complet qu'un Euro Truck Simulator, parce qu'il y a beaucoup plus de choses à gérer, l'oxygène, les pannes, les fuites, les dégâts qui sont des vrais dégâts et pas juste des amendes comme dans Euro Truck Simulator. Mais là, il faut vraiment réparer votre camion. Non, c'est vraiment sympa. Il y a tout un aspect customisation du camion aussi, je présume, parce que je vois que là-bas, il y a une boutique de peinture de camion. Donc je présume qu'on peut, même aller voir, en fait. Excellent! Une paint job! Paint color! Ouh! Nice! On va faire un joli camion, les gens. C'est celui-là que j'ai. On peut mettre un tout bleu, on peut mettre des motifs. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Paint color! On peut choisir la couleur. D'accord. En fait, on choisit le motif. Après, on peut choisir les couleurs secondaires, les couleurs des chromes, tout ça. On peut réparer. Je me demande pourquoi il me propose ça. Réparer la... Ah oui, je suis à moins 4000. Oh, c'est un détail. On peut faire une différence de peinture. Par contre, vous avez vu, la peinture, elle a l'air de s'user très vite. On peut mettre des paillettes.
Regardez. Ça, c'est du mat. Ça, c'est du gloss. Ça, c'est métallique. On dit, tu fais quand même paillettes. Hein. J'ai pas assez de sous, c'est ça? Midi. C'est joli. View truck. C'est sympa. Et en plus, je pense qu'il y a, plus de possibilités. Il y aura plus de possibilités de customization. De customisation du camion au fur et à mesure. Parce que c'est une part importante de ce type de jeu, on va dire. Donc je pense qu'ils vont rajouter des compléments sur cette partie-là. En tous les cas, très sympathique, ouais. Donc n'hésitez pas à le mettre dans votre liste de souhaits pour savoir quand est-ce qu'il va sortir. Et puis voilà, je sais pas combien il va sortir, mais ouais, suivant le prix, ça peut être très sympa. Parce que c'est un jeu où on passe beaucoup de temps, tout comme les Farming Simulator ou les trucs comme ça. Donc c'est des jeux qu'on peut se permettre de payer un petit peu plus cher peut-être que d'habitude. Et apparemment sur Steam, ils annoncent des environnements encore plus beaux et dangereux. Plus aventureux qu'un Euro Truck Simulator. Ouais, il est vachement plus complet qu'un Euro Truck Simulator en fait. C'est ça qui est dingue. C'est un autre truc simulateur, c'est il faut que j'ai remboursé dans 23 heures ma dette, sinon mon camion est saisi. Beaucoup plus complet que non, mon oxygène c'est plein. Beaucoup plus complet que Euro Truck Simulator. Beaucoup, beaucoup plus complet. Très sympa. Très, très sympa. J'ai bien aimé.